l'on se place dans la perspective de la physiopathologie du sport, on peut se poser une question tout de même. Le sport est-il encore un jeu? Qu'est-ce qu'un jeu? Un jeu, c'est une simulation dans un espace-temps donné qui n'expose pas, du moins directement, au risque de la vie. Alors que le sport expose au risque de la vie, et de plus en plus. On a les deux aspects constamment. Celui du jeu qui est celui sur lequel on va faire son apprentissage. Et on va le faire collectivement et on va le faire avec une joie immense. C'est un petit peu celle de ces enfants sur la plage de Zanzibar. En même temps, on voit que ces données-là sont ancrées depuis probablement des millions d'années, bien avant l'espèce humaine ou chez Sapiens. On va avoir des démonstrations de l'orientation des jeunes mâles sur toute une série de nos cousins primates vers à chaque fois des activités dans les états les plus jeunes de la vie, autour de ces fonctions de découverte, finalement, du mouvement et de l'ensemble de ces espaces de jeu. Chez le mammifère, c'est très clair, même au-delà des primates. Et puis, il y a la fonction qui va petit à petit nous amener au maximum de nos capacités. On va en parler par la suite, mais ce sont des points sur lesquels on va transformer petit à petit l'envie, le plaisir du jeu, tout en gardant un petit peu cette notion, mais en allant au maximum des capacités. Et cette idée de repousser les limites va venir au fur et à mesure exploiter ce développement des potentialités individuelles. Le sport de haut niveau comporte tout de même des risques réels. Pensons à la boxe, la boxe ici, il y a des images, on voit un corps abattu, pensons aussi au sport automobile par exemple. Effectivement, l'idée du haut niveau est à chaque fois celle de la façon dont on peut repousser les limites. Et elle comporte des risques. Le fait de franchir les limites va petit à petit révéler un certain nombre de nos critères d'instabilité. Et finalement, la vie ne progresse que par ce front d'expansion d'une capacité ou d'une espèce, parfois au détriment des autres. C'est toute la question actuelle, justement, du développement des capacités d'une seule espèce sur la planète, Homo sapiens, par rapport à l'effondrement des autres. Mais dans cette augmentation progressive et de la façon dont on va repousser les limites, qui va être le principe même olympique, du situs, altius, fortius, toujours plus haut, toujours plus vite, toujours plus fort, c'est celui sur lequel petit à petit cette expansion se fera en fonction des capacités d'appropriation énergétique dont chacun bénéficiera, mais qui en même temps va se trouver justement dans ces contraintes maximales. Et au fur et à mesure qu'on se rapproche potentiellement de ces limites maximales, universelles, celles qui font que nous ne ferons pas 7 mètres de hauteur, de taille, on n'est pas fait pour durer aussi longtemps que le séquoia, parfois 6000 ans pour certaines de ces espèces, on a probablement une gamme dans laquelle s'expriment les possibilités humaines. Et les sportifs de haut niveau sont là notre avant-garde. Ils nous révèlent ce que sont nos possibilités et la vitesse à laquelle elles se sont transformées au cours des deux derniers siècles, et puis le siècle olympique, l'ère olympique depuis 1896, et nous montrent très précisément à quelle vitesse et quelles marches ont été franchies pour arriver dans ce seuil actuel. Dans le même chemin que celui qu'on vient d'évoquer sur la progression vers les limites et les risques, il y a aussi celui de se regarder monter. Et au fur et à mesure, ça donne une image extraordinairement puissante de renforcement. Ce sont des boucles de rétro-contrôle positif qui ne cessent de dire « mais finalement, ces possibilités sont extraordinaires et comme elles m'appartiennent, ce sont les miennes, j'en suis d'autant plus finalement ému qu'elles me permettent d'atteindre un certain nombre de ces maxima. » Alors en plus derrière ça, il y a le fait que, et on s'en rend compte de façon de plus en plus claire maintenant, le fait d'appartenir à ce groupe qui est à l'avant-garde, comme je le disais, qui monte dans les valeurs les plus élevées d'une mesure qui est faite, avec tous les risques de la malmesure de l'homme, mais en tout cas qui montre que petit à petit, on va, en atteignant ses capacités maximales, être aussi capable de tenir, de résister plus longtemps, parce que l'ensemble des qualités qui ont fait qu'on est monté très très haut feront aussi que nous allons durer plus longtemps. Alors toute une série d'hypothèses, de théories s'affrontent pour bien comprendre ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'il ne faut pas monter trop haut au risque de perdre plus vite? Est-ce que le fait d'être parmi les recordmen nous fait durer réellement plus longtemps? Oui, on a actuellement une étude sur les 120 000 athlètes qui ont participé aux Jeux Olympiques depuis 1896 et on voit bien que comme
pour les participants dans les premiers Tours de France, eh bien, il y a 8 à 9 années d'espérance de vie en plus pour ces sportifs de très haut niveau. Donc il y a bien quelque chose qui est de l'ordre d'une capacité mise en jeu, au risque de la limite, mais qui va aussi se traduire par une potentialité et une durée plus longue. Cette idée à la fois de la compétition pour arriver au prix Nobel, c'est une compétition avec ses règles qui ne sont pas connues, mais qu'on commence à avoir. Il faut jouer aussi de ces réseaux dans ces domaines-là. L'idée qu'on puisse à un moment donné monter jusqu'à ces capacités va renforcer, et elle renforce d'autant que l'ego, la confiance en soi est forte. Et c'est ce que l'on essaye aussi de développer chez les sportifs pour gommer une de ces interrogations qui est néanmoins importante pour remettre en question une technique d'entraînement, pour remettre en question une voie par laquelle on a franchi un certain nombre de ces passages. Et tout cela rentre dans un contexte historique, dans un contexte qui est finalement celle de l'évolution, celle de la flèche du temps, qui fait qu'un certain nombre des points de passage vont rester ancrés. Dans celui-là, celui du retour sur l'affect, celui de ces moteurs de puissance individuelle, on a encore énormément de choses à apprendre sur notre psychologie, sur la neurophysiologie qui nourrit la psychologie et sur les interactions qui vont pouvoir se faire entre ces capacités psychologiques, ces capacités physiques et finalement ces capacités sociétales. Est-ce que vous accepteriez la thèse selon laquelle le sport de haut niveau est dangereux pour la santé ? Comme je vous l'ai dit, le sport de haut niveau présente ses risques. Et ce sont les risques des limites. On le voit bien sur le ski, on le voit effectivement sur la boxe, on le voit sur un certain nombre de sports qui vont être mis finalement dans une situation de haut risque, qui est parfaitement assumé, hein, parfaitement assumé par les sportifs qui vont le gérer. Et on le voit très bien dans une étude qui peut être faite sur le contexte psychopathologique, dans lequel les sports à haut risque sont ceux dans lesquels on voit la plus faible fréquence d'états anxieux, d'états dépressifs, d'idées suicidaires. Non, les gens qui sont confrontés dans les sports aéronautiques, par exemple, dans les sports motocyclistes, à la possibilité réelle d'une mort sur le circuit, dont on a encore vu des exemples récents, montre que ce risque-là est totalement assumé. Et il est, là encore, inscrit dans la capacité, dans l'acceptation de cette démarche, en même temps qu'il nourrit, finalement, les sentiments extraordinaires que génère la compétition, la victoire et l'association de ces éléments. Là, vous posez le problème très clairement, à savoir, d'un côté, la courbe qui cherche à améliorer les performances et de l'autre, la prévention. Comment faire harmoniser, accorder finalement des logiques qui sont peut-être assez contradictoires parfois ? Dans ce domaine-là, la réflexion peut porter sur l'idée que l'on se fait de la compétition. Est-ce qu'il faut aller toujours plus vite ? Ou est-ce qu'à ce risque-là, à un moment donné, on ne doit pas poser la possibilité simplement de, dans des règles acceptées, finalement pour chacun, la diminution des performances au profit de la compétition. Et dire à ce moment-là, dans un cadre qui sera moins à risque, finalement, ce qui compte, c'est d'être le premier d'arriver dans ces circonstances-là. Et donc après, c'est toute la question sur la technologie, sur l'évolution de la technologie qui décuple les capacités physiologiques et qui, au fur et à mesure, dans l'histoire du ski par exemple, nous fait passer de planches en bois très très rigides à des skis sur des fonctions de glisse, à la fois sur les fibres qui sont utilisées dans la structure du ski, dans les matériaux composites maintenant, et sur la compréhension que l'on a et les choix que l'on fait sur les pentes qui vont être prises et la protection autour de ces pentes. À chaque étape, on peut se dire à un moment donné, on peut prendre finalement une option qui permette de reculer d'un cran, mais au profit finalement de la santé des descendeurs. Vous remarquerez que l'argent ne cesse d'augmenter actuellement à mesure que les progressions sont de plus en plus faibles et que le temps entre chacune de ces performances est de plus en plus long. On l'a mesuré de façon très claire dans toutes ces recherches qu'on a pu faire à l'IRMES. On sent bien qu'il y a ce double aspect de nous arrêterions-nous, et si nous sommes en train de nous arrêter, le dernier à franchir la dernière limite sera celui qui emporterait finalement le dernier lingot. Je ne sais pas sur quel... Il y a quand même quelque chose de cynique dans cette image, je ne trouvais pas. Que la Golden League, par exemple, eh bien,
trouve son expression presque naturelle dans ce podium qui pourrait être simplement dédié à la compétition du meilleur. Là, entre toute la société du profit, entre toute une logique marchande. Oui, vous pouvez regarder exactement ça en fonction des budgets. Et si vous faites sur 20 ans l'analyse sur les sports professionnels, vous verrez que globalement, c'est toujours celui qui a le plus gros budget qui est en haut. Alors pas toujours, fort heureusement, mais en moyenne, c'est bien entendu le Real de Madrid, le FC Barcelone, pour le football européen. Et puis ensuite, vous allez avoir sur les deuxièmes et troisièmes places, les deuxièmes et troisièmes budgets. Oui, il y a un lien qui est extraordinairement puissant et qui tient lieu de ce qu'est la compétition cette fois-ci, au-dessus des valeurs sportives, qui sont des compétitions économiques, dans lesquelles on retrouve alors là toute la question, effectivement, de ce que sont nos développements économiques, au sens très général maintenant du terme, et dans lequel ces principes sont strictement les mêmes, avec l'énorme difficulté de savoir comment les sociétés peuvent-elles réguler cette envie, cette appétence, « greed », que l'on retrouve de Wall Street à la City de Londres, en passant par la Bourse de Paris et celle de Shanghai, strictement ces valeurs sont partagées par l'ensemble de l'humanité, et pourtant, il faut trouver à un moment donné les moyens du partage de l'effort, les moyens d'une acceptation, d'une régulation. On voit bien que toute la difficulté pour les années à venir va se situer aussi sur la vitesse à laquelle on est capable de tenir cela avant l'effondrement. Parce qu'à quoi bon des matchs si on connaît à l'avance les résultats des matchs, si ceux-ci sont simplement évaluables en fonction d'intérêts économiques ? Il faut savoir que ces régulations sont là, elles font partie prenante de la compétition, mais qu'à l'intérieur de cela, il reste une variabilité. Et cette variabilité fait qu'à un moment donné, mais rarement, sur Goliath, on peut voir apparaître David. Et dans cette idée, c'est que, bien entendu, si David gagnait tout le temps, à ce moment-là, on aurait inversé la tendance. Si c'est toujours le petit qui gagne sur le plus gros, à ce moment-là, ça aurait été l'inverse dans l'allégorie qui a été celle qu'on choisit, c'est finalement la construction de ces légendes. Non, c'est en fait effectivement des questions de puissance physique, individuellement, qui vont jouer, et on voit bien là qu'on a des relations, mais qui sont linéaires entre le développement d'un gabarit, là encore, et la vitesse. C'est entre Jesse Owens et Usain Bolt, une différence de taille d'1m78 à 1m96. Donc on va avoir des liens très forts qui vont être là-dessus, de même façon que sur l'échelon supérieur, celle du plus puissant va avoir statistiquement, effectivement, plus de chances d'aller au bout de la compétition que le plus faible. Mais de temps en temps, le plus faible gagne. Et cette glorieuse incertitude est là justement pour générer tout l'intérêt que les spectateurs vont en avoir. Je me posais la question, est-ce qu'on pourrait appliquer à ce sport dont nous parlons, le sport de haut niveau, le sport de compétition, avec ses enjeux, y compris financiers, on a parlé de cynisme tout à l'heure, on pourrait parler aussi de pragmatisme tout simplement. On a presque envie d'appliquer la maxime de Machiavel, la fin justifie les moyens. Est-ce qu'on n'a pas l'impression souvent que c'est un peu cela, que les moyens au fond sont simplement là en fonction d'une fin qui, elle, est impérative. Gagner, gagner, toujours gagner. C'est bien la question qu'on se pose en dehors du sport. Une fois de plus, les problèmes ne sont pas spécifiques. Le sport simplement traduit toutes ces aspirations. Et il va démontrer ce que sont les intentions collectives et la direction que prend ce collectif, l'humanité au sens très général, et c'est pour ça que l'idée des records du monde nous révèle réellement quelque chose de partagé dans l'ensemble des cultures, puisqu'on voit le sport se démocratiser dans la deuxième moitié du XXe siècle et surtout s'internationaliser au profit de toutes les régions du monde. Et on voit quasiment plus aucune est oubliée, et que ce principe demeure malgré tout. Et il demeure parce qu'en fait, il traduit dans un domaine d'affrontement réglementé, celui du sport et de la compétition sportive, quelque chose qui n'est pas réglementé partout ailleurs. Il n'y a aucune règle dans la progression de la publication scientifique. Or, les laboratoires sont en compétition pour les bourses de financement. Aucune règle, ou très peu, à l'OMC pour réellement accepter de n'exploiter qu'une partie de nos ressources au profit d'une durabilité. On voit bien l'énorme difficulté à le faire. Tous ces plans-là, finalement, traduisent notre incapacité à le faire, et pour la partie de gestion environnementale, on vient de voir encore l'échec de Durban qui va marquer notre avancée dans cette lutte-là. Le sport, lui, gère finalement de façon assez concrète, pragmatique, ces oppositions-là. Et malgré tout, au milieu de cette acceptation de
du principe d'égalité, s'il existe quelque part. On est tous différents, on est tous inégaux, même si on se doit le respect, la tolérance. Et c'est dans ce strict plan-là que l'égalité demeure, fort heureusement, même si elle n'est pas partagée par tout le monde. On va avoir, dans la construction sportive, cette idée finalement d'une régulation menée. Et peut-être dans ce sens-là, reste-t-il quelques notions importantes encore à développer dans les valeurs du sport. Dans le sport, pour ses vertus sanitaires, tous les bénéfices qu'on peut en tirer tiennent du fait qu'on est passé de l'autre côté sur le plan du développement de notre société technique. Le développement de toute la motorisation, finalement, nous pose dans nos fauteuils pendant des heures et des heures au quotidien, et on a perdu complètement ce lien à la mobilité qui a été, par contre, une des immenses phases de toute la sélection du vivant, et pas seulement, une fois de plus, celui de l'espèce humaine. La mobilité, ça remonte aux toutes premières cellules qui, à un moment donné, une fois qu'elles ont épuisé leurs réserves dans leur environnement proche, vont se déplacer d'une façon ou d'une autre pour aller chercher un autre environnement favorable. Cette partie-là, qui nous concerne maintenant, nous amène dans des sociétés très sédentarisantes. Et on se rend compte que la sédentarité a son prix en termes de cancer, de maladies cardiovasculaires, de maladies métaboliques. Et sur tout cet aspect-là, on voit que le sport et l'activité physique en général vont avoir des effets très positifs en diminuant les risques de cancer du sein, que ce soit sur les métastases ou sur les tumeurs primaires, en diminuant le risque de dépression, sur la santé mentale aussi, on va avoir des effets majeurs, en diminuant le risque d'infarctus, en diminuant à tous ces niveaux-là, parce que ces effets sont dits pléiotropes, très larges, très importants et très en amont sur les équilibres énergétiques cellulaires. Tous ces effets bénéfiques-là sont évidemment ceux sur lesquels doivent petit à petit s'orienter les politiques de prévention que l'on a tenter de donner dans ces différentes réflexions. On peut se demander si aujourd'hui, la place qui était hier dévolue au directeur spirituel, au philosophe, au prêtre peut-être, ce n'est pas le médecin aujourd'hui qui l'occupe, c'est le médecin qui dit quels sont les critères de la vie bonne. Je ne dirais pas simplement les critères de la vie bonne, les impératifs de la vie bonne, comme il y avait les impératifs de la vie bonne aperçus par le philosophe hier. Cela suppose d'ailleurs un postulat, que la vie bonne, c'est la vie longue. Un postulat qui est contestable, c'est ce qu'a développé Isabelle Queval, par exemple, dans sa thèse. Avant d'arriver sur cette idée de la vie longue, juste avant, vous noterez quand même que sur le plan des transitions philosophiques, on donne actuellement aux médecins ce qu'on donne aussi aux sportifs de haut niveau. Finalement, un des éclairages dans lequel la religion serait en train d'être portée par les sportifs. Et les stades étant nos immenses temples actuels, reconnaissant par un principe narcissique collectif cette fois-ci, le lieu de la croissance, en même temps qu'on donnerait aux médecins, non, je ne crois pas du tout qu'il y ait de capacité d'organisation, on est beaucoup plus sur une question d'ailleurs critique de la question philosophique actuellement, de notre position au monde, et finalement de ce que sont les grandes tendances, l'explosion démographique, l'explosion urbaine, l'explosion de l'appropriation de l'environnement au profit d'une seule espèce. C'est sur ces questions-là beaucoup plus que se posent les questions du futur, et donc de ce que sont les grandes options prospectives. Et donc du coup, on revient effectivement à se dire, est-ce qu'il faut donner des règles? Oui, il y a plein de recommandations qui viennent, et effectivement, ce sera plutôt dans mon esprit des idées, des conseils, des observations que l'on donne et qu'on distribue largement. L'idée de la publication est là pour rendre public les choses auxquelles on a l'impression de se trouver confronté actuellement parce qu'on les a vérifiées. Pas seulement une hypothèse, une utopie ou une lubie qui porte beaucoup d'autres projets totalement prométhéens actuellement. La biologie de synthèse, la thérapie génique et toutes les difficultés qu'on voit autour. Mais derrière cela, il y a aussi cette idée de est-ce qu'il faut durer longtemps? Est-ce que le temps que l'on a entre le zéro et le zéro, finalement, d'un retour au sol, à la fin de ce court parcours, doit être dirigé dans un sens ou un autre. Je n'ai pas de réponse à ça, on n'en a aucune, si ce n'est qu'en observant l'ensemble de nos concitoyens, on voit bien que c'est toute la fonction de croissance qu'il a extraordinairement porté, parce que c'est celle dans laquelle on fait tous nos rêves, c'est celle dans laquelle on a nos instants les plus violents en termes d'émotion, j'entends pas en termes de la violence négative, mais celle de l'intensité
de la sensation, et que c'est peut-être justement un des moteurs actuels encore du développement. Et en même temps, si on arrive au plafond, si on arrive aux limites, on se pose la question de ce que sont les ressources encore possibles pour trouver ces nouvelles capacités de maintien de notre intensité. C'est assez rare le moment que nous vivons actuellement de pouvoir faire le bilan de toutes ces capacités au temps T, quasiment sur l'ensemble de l'humanité. On a toutes les données concernant l'espérance de vie de tous les pays du monde, avec quelques incertitudes évidemment. Sur le recueil des données, on n'est pas très certain, mais on a mesuré y compris cette incertitude. C'est les plus ou moins 5 ans, plus ou moins 3 cm. On a les tailles, on a les évolutions de ces tailles, de ces poids, de paramètres biométriques très simples. Sur des périodes extrêmement longues, hein, certaines séries remontent jusqu'au XVIIe siècle, on a sur toutes ces données des visions qui montrent que ces évolutions-là, peut-être, suivent un certain nombre de règles, règles qui, par ailleurs, sont les fondements même de la recherche lorsque l'on étudie sur toutes les autres espèces animales et végétales, les relations, par exemple, de cette croissance végétale avec la température. On sait très bien qu'il y a une température optimale pour le blé tendre, pour le maïs, hein, que lorsque ces températures sont dépassées, dans les périodes de sécheresse ou de canicule, on va avoir des impacts directs sur ces possibilités de croissance. On a complètement analysé, compris tout cela pour l'ensemble du règne animal et végétal, et on se dit, ça ne nous concerne pas. Peut-être ça nous concerne aussi. Et c'est petit à petit ces éléments-là qu'on est en train de découvrir, hein, on retire la couverture et on est en train de se rendre compte, peut-être que voilà, ces fonctions de croissance, qui sont des fonctions exponentielles, parce que le monde est basé sur des principes exponentiels, que ce soit la physique, la chimie, la biologie, les interactions, hein, toutes ces lois sont simples une à une, la complexité du monde vient de leurs interrelations et de la multiplicité de ces éléments-là dans chacun des individus, dans chacun des éléments, ou bien dans la succession des événements. Mais quand on retire petit à petit cette disparité, cette diversité, et qu'on regarde les éléments un par un dans notre idée réductionniste, on se rend compte que les lois sont simples. Les lois sont très simples. Et en plus, elles sont similaires, auto-similaires, qui est le terme qui veut que d'un pas, celui de la cellule, au pas suivant, un milliard, on a 10 puissance 14, c'est un peu plus qu'un milliard, hein, 10 puissance 14 cellules dans notre organisme, mais ensuite passer de l'organisme à l'espèce, c'est-à-dire pour nous 7 milliards actuellement, un autre cran de quasiment 9 à 10 échelons, ordre de grandeur, on voit que les principes restent les mêmes. Et ça, ces lois qu'on appelle loi de puissance ou loi scalante, sont des lois fondamentales dans tout l'univers. Est-ce que ces lois-là ne sont pas celles que nous sommes en train de découvrir et qui donc s'appliquent à toutes nos utopies, à toutes nos envies de la même façon? Voilà, c'est peut-être sur cette idée que finalement cette fonction se mêle et sur laquelle voilà, les 2,45 m de Javier Sotomayor qu'on voit ici nous font dire en tout cas qu'un individu qui sauterait 5 mètres sur le simple développement de ses capacités physiques du quadriceps ne fait pas partie actuellement des possibilités humaines. Alors entre 5 mètres et 2,45 m, il y a quelque part, potentiellement une limite qui n'est pas seulement théorique. Mais bon, ça ce sont des limites physiques, physiologiques, mais il y a le corps augmenté, le corps appareillé, il y a l'innovation technologique qui intervient. Oscar Pistorius, on aperçoit ses prothèses. À la fois, ça pose évidemment un problème, comment organiser des compétitions, peut-il participer à des compétitions de gens valides? Ça pose un problème aussi dans le développement de cette technologie éventuellement invasive concernant notre identité, notre intégrité. Ça pose des problèmes philosophiques, fondamentaux, moraux, le respect de la personne humaine. Comment envisagez-vous ces choses? Le cas de Pistorius est extrêmement intéressant. Effectivement, sur cet aspect-là, il doit nous faire comprendre l'impact de la technologie sur le développement physiologique. Et on voit bien que lui est le seul à pouvoir courir la deuxième moitié de son 400 mètres plus rapidement que la première, parce que c'est le temps de mise en action, si j'ose dire, de la restitution énergétique par ses lames. Et donc, c'est le seul, lorsqu'il court avec les valides, qui peut avoir finalement ce deuxième temps beaucoup plus rapide. On voit bien que ce sont deux
physiologie ou adaptation physio-techno différente par rapport à celle des coureurs de 400 mètres qui ont eux aussi de la technologie. Ils ont de la technologie dans les semelles des chaussures, ils ont de la technologie dans le tartan de la piste, qui n'est plus la cendrée que nous connaissions au début du siècle. Ces aspects-là ont fait évoluer une partie des performances en athlétisme. Maintenant, ça repose la question essentiellement, non pas morale, mais du sens dans lequel l'humanité souhaite placer chacun des siens. Et donc, Pistorius est-il indigne de courir face aux autres ? Non. Pistorius, on lui doit le respect extraordinaire du mouvement qu'il a enclenché, qui est celui de son combat, alors qu'avec l'amputation qu'il a subie tout jeune, finalement, lui permet par cette énergie extraordinaire qu'il dépense de s'inscrire petit à petit dans le rugby qu'il a pratiqué, puis dans l'athlétisme, et de l'athlétisme de dire et de faire reconnaître internationalement ça, son humanité, et au milieu de nous, voilà, il a une propension à pouvoir courir. Maintenant, ça repose aussi la question de ce que seraient ces apports techniques si le choix de chacun des participants venait à se dire « je préfère me faire amputer » au profit de l'âme telle que celle de Pistorius. Je ne crois pas, fort heureusement, je ne crois pas que nous verrons cela dans les prochaines années, compte tenu des effets secondaires et compte tenu des difficultés au quotidien que présente Oscar Pistorius dans sa mobilité, son autonomie. On en revient à ce qu'étaient les... C'est un combat qu'il a mené parce qu'il a dû subir ces inconvénients majeurs de la perte de ses deux pieds. Maintenant, sur le développement, moi je trouve extrêmement important qu'on puisse sortir de notre idée de catégorisation. Il faut des hommes et des femmes. Voilà, on a 1 million d'individus parmi les 7 milliards qui sont juste entre les deux, biologiquement, avec des capacités, avec une expression phénotypique qui est intermédiaire. Oscar Pistorius, dans un autre registre, pose la question des catégories. Est-ce qu'il faut à un moment donné transcender toute cette idée dans laquelle on veut avoir dans un couloir que ceux qui sont finalement à répondre correctement au modèle dans lequel, là encore, une société se donne l'envie de mesurer les siens, alors entre 8 et 9 ans, entre 12 et 13 ans, entre... Voilà, en reproduisant ces catégories, elles montrent bien qu'il y a des fonctions de croissance. Est-ce que la technologie répond à ça ? Vous avez un autre exemple qui a été excessivement intéressant, qui est celui de la combinaison de natation, qui démarre en 2000 avec Yann Thorpe aux Jeux de Sydney, qui va voir en 2008 la deuxième génération avec les combinaisons de polyuréthane, 50%, et puis la troisième génération en 2009, avec 100% de polyuréthane, et des performances qui vont exploser, qui fera que l'ensemble de la Fédération internationale de natation, à la sortie du Water Cube, la piscine de Pékin, dira en 2008, voilà, nous sommes le sport olympique. Nous sommes devant l'athlétisme, très loin, avec 27 records du monde, en train de, jusqu'à ce qu'on se rende compte que cette augmentation-là, cette petite élévation de 3%, hein, très mesurable sur l'ensemble des vitesses que l'on peut faire, est uniquement et directement liée à, finalement, la diminution des turbulences par un processus hémodynamique, hydrodynamique, optimisé par la combinaison. Et cette technologie-là explique 100% des records du monde à Pékin. 100%. À chaque fois, on retrouve la combinaison. Et donc, on va avoir sur cette idée d'une technologie qui renforce nos capacités physiologiques et qui va se trouver confrontée à une limite, qui est une limite économique. Et en 2009, l'ensemble des fédérations mondiales national, réuni à Rome, va dire, voilà, on ne peut pas mettre $400 par course. Compte tenu de la fragilité de ces combinaisons, il faut quasiment en mettre une neuve toutes les une ou deux courses. À $400, les Américains peuvent se le permettre, les Européens de l'Ouest peuvent se le permettre, mais l'ensemble de l'humanité, et donc finalement de la compétition dans un bassin, pour savoir qui se déplace le plus vite dans l'eau, est totalement perturbé par ces régulations économiques dont nous parlions tout à l'heure. Et le choix sera de dire, on arrête. On arrête ce développement technique, on recule dans la vitesse, on recule dans la performance, mais à ce moment-là, on remet tout le monde à peu près à égalité, et pendant ce temps-là, les performances vont revenir exactement au niveau précédent. Lorsqu'on se place du point de vue des records, par exemple, il est intéressant de constater que les records sont attendus, on sait qu'il y aura des progressions, mais une fois que le record est là, le record, au fond, d'une certaine manière, se banalise. Comment réagissez-vous à cela ? Là, il y a une... Ce sont les Jeux Olympiques de 1936. D'ailleurs, il n'y a pas de chronométrage. Il y a simplement la ficelle, comme on l'appelle, la corde. Mm-hmm.
Comment réagissez-vous à ces records attendus? Et une fois que ces records sont atteints, au fond, bon, Ben c'est toute quoi bon? toute la problématique du CTO, c'est toute celle dans laquelle on va croire, à la fin du 19e siècle, à cet immense espoir d'une croissance infinie. Et toute cette idée qui sera portée ensuite par Didon, que reprendra Coubertin pour mettre la devise, non pas sur les premiers jeux, mais sur les quatrièmes, dans lequel il va avoir finalement la transfiguration de cette espérance. Et c'est cette espérance-là qu'il y a derrière les records, qu'on est toujours capable de monter. Le problème, c'est que dans le même temps qu'on tient cette espérance, on va la mesurer. Et toute l'erreur viendra de là. C'est qu'en la mesurant... Là, on la mesure, on commence à la Omega, mesurer. Omega, voilà, dans les années 60. Et en 74, ce chronométrage officiel va venir, et on voit bien les réalignements de toutes les courbes de progression. Une fois qu'on la mesure, on a une mesure objective de ce qu'est cette fonction de croissance. Et tout d'un coup, on se rend compte qu'elle respecte les lois dont on a parlé tout à l'heure et qui sont des lois limitantes. Et ces lois de saturation aboutissent, in fine, en regardant les records du saut en hauteur qui ont régressé depuis Sotomayor, qui d'ailleurs avait été contrôlé positif à la nandrolone et à la cocaïne, donc des records très probablement très augmentés dans les portées par ces molécules dans les années 80 et le début des années 90, avant la mise en route des agences mondiales antidopage et du code mondial antidopage, on voit bien que ces lois petit à petit montrent que cette saturation est en place depuis 20 ans, voilà, depuis Sergueï Bubka, on n'a pas pu relever le compteur et la perche féminine est arrivée en 10 ans au même niveau, c'est-à-dire hop, elle a bloqué alors qu'elle s'est constituée bien après la perche masculine, elle a bénéficié au début des progrès de la connaissance de l'entraînement des hommes, mais on est au plafond depuis Sinbaïeva. Et on voit bien que sur chacune de ces épreuves-là, on semble avoir atteint des plafonds très clairement délimité de nos potentialités, que ce soit sur les lancers, que ce soit sur les courses, que ce soit sur les sauts, que ce soit même sur les épreuves combinées. Alors là, on remarque qu'on est à 9 secondes 58. Hein. À mesure que s'affine d'une certaine manière la quantification du record, on approche d'une certaine façon de sa limite. C'est toute la démonstration qu'en fait Usain Bolt et qu'il annonce lui-même. Et il le dit, il faut écouter les mots autant qu'observer les faits héroïques de la course et du record. Il dit, voilà, moi j'ai encore un an ou deux ans, et je sais très bien que si je ne descends pas en dessous des 9,50, j'espère éventuellement aller à 9,48. Potentiellement, il a cette qualité-là dans les jambes et dans l'organisme qui porte ce record, cette potentialité. Il faut qu'il retrouve toutes les conditions qui l'ont mené en 2008 et en 2009 au précédent. Hein. Et donc toutes, ça veut dire toutes. L'ensemble de ce qu'il a mis, de ce qu'il a conduit, de ce qu'il l'a préparé pour aller à ses records. Et ensuite, il dit, voilà, je sais que j'aurai passé mon maximum et que ces courbes-là de retour, de décroissance, vont s'appliquer à Usain Bolt comme aux autres, comme à Roger Federer en ce moment en tennis, sur lequel on voit petit à petit les effets du temps qui sont simplement hein, une exponentielle décroissante sur lequel on va avoir une, finalement, diminution des capacités progressives et qui fait que de temps en temps, ben Bolt est là et il ne sera plus là. Alors si en plus il y a un faux départ, évidemment, ça permet à d'autres de venir. Mais cette question de j'attends le record, c'est simplement je m'inscris dans cette idée qu'il y a peut-être justement des fonctions de croissance et qu'elles seraient à un moment donné portées par cette asymptote et tendues vers l'asymptote qui nous apparaît comme de plus en plus évidente maintenant. Croyez-vous que les sportifs font progresser l'humanité? C'était le titre d'une exposition en 2000 à la Cité des sciences de la Villette. Je crois qu'ils sont l'avant-garde. Ils sont là pour nous montrer le sens que prend l'humanité. Est-ce qu'ils la font progresser? Je ne sais pas. En tout cas, ils sont porteurs de ces marques, d'une forme de progression. Hein, ce sont eux qui, sur le plan sportif comme sur le plan des capacités maximales à un moment donné, montre dans quel sens tout le mouvement s'est fait jusque-là. On va avoir la même réflexion autour des artistes qui vont d'une certaine façon développer par leur œuvre des capacités nouvelles hein, et toute la
création d'un style nouveau vient à un moment donné révolutionner les idées précédentes, au même titre que les théories scientifiques dont on parlait tout à l'heure, vont à un moment donné remettre en perspective de façon totalement différente la vision que l'on avait du monde, et ils seront porteurs, les uns et les autres, de cette idée que les choses peuvent à un moment donné changer. C'est ce qu'exprime Usain Bolt dans cette danse après le record. Au-delà de son geste très connu de l'archer, il y a cette idée que voilà, il est follement heureux. Il est follement heureux. Il est arrivé à son objectif. Il a exploité son potentiel. Il s'épanouit derrière ses capacités dont il se savait porteur. Et nous verrons après si elles sont portées par d'autres choses que la simple physiologie humaine. Mais en tout cas, derrière cela, c'est l'idée que ce moment-là, cette intensité-là, est révélatrice d'une espèce de moment extraordinaire, d'une harmonie qui vient poser son dernier point, qui n'est pas forcément un point d'or, puisque tout continuera ensuite, et que tout se révélera ensuite, éventuellement aussi. Alors, avec le développement des technosciences, on augmente les rendements, on rationalise, on augmente les performances. Mais que deviennent la légèreté, l'éphémère, l'intuition, la rêverie? On a presque envie de dire la dimension poétique. C'est Edgar Morin qui parle de cette dimension poétique essentielle, qui est aussi un élément de l'humain, hein, quand il parle de l'homo demens, de l'homo ludens, l'homme qui joue, l'homme qui rêve. On pense à Hölderlin, il faut poétiser la vie. Est-ce que cet aspect-là est un aspect qui n'est pas parfois un peu trop oublié? Oui, on pense aussi à Sloterdijk, hein, dans Colère et Temps. Toute une démarche qu'il va remettre dans une perspective totalement différente, mais qui montre bien que cette espérance-là, cette idée à un moment donné de la légèreté, de quelque chose qui nous monte, est en même temps, et là la photo est extraordinairement parlante, ramenée au sol par la gravité. Hein, ce moment de légèreté, ce moment extraordinaire dans lequel on va jouer avec les éléments, est d'un éphémère. Là, le parachute, il doit s'ouvrir assez vite après cette photo, hein, parce qu'on est encore loin du sol. Mais finalement, ce ne sont que quelques dizaines de secondes qui séparent l'équilibre, le vivant, de la catastrophe, la fin du vivant. Hein, si le parachute ne s'ouvre pas, on est dans ces conditions. Le risque, là, et l'utilisation de cette situation est totalement intégrante et totalement participative de ce que sont les maxima et finalement les records du monde. Tout ce que les sportifs vont avoir, c'est cette chance extraordinaire dont ils sont conscients pour certains, dont l'entraînement petit à petit, l'accompagnement, je dirais, plus que l'entraînement finalement, leur permettra d'exprimer et cet épanouissement dans l'expression du potentiel et tout ce que nous pouvons, nous, petit à petit, amener à la génération suivante, qui sera elle-même porteuse de ses potentialités et de ses maxima. Ce rêve-là, il est inscrit parce que cette chance, qu'elle grâce. Soit dans le ciel, qu'elle soit dans la combinaison des éléments, hein, ici de la technologie, parce qu'on n'est pas fait pour voler. Technologie extraordinaire qu'a développé le vol libre, le parapente et le deltaplane, va marquer d'un dernier saut, je crois, le XXe siècle, dans l'expression de nos capacités, encore une fois, une dernière fois repoussée. Celle-là est unique. Elle aura vécu pendant, à partir de 74, 73, pour les toutes premières expériences. Et là encore, le nombre de morts des années 70 nous dit à quel point il est difficile de passer de ces stades les uns derrière les autres jusqu'à la réalisation que chacun d'entre nous peut maintenant connaître. Et avec, là encore, quelle intensité, quelle émotion. Mais c'est celle-là qui finalement est la plus importante, parce que c'est celle-là qui nous guide.